راسي وامي غاوين ربي غاست نفشيش ولما كيتش تروح ضمي حبر غاكي العيش يما غافت لليم ما نوز غادي تشغل حشيش يما غافت لليم ما نوز غادي تشغل حشيش اي ما غافت لليم ما نوز غادي تشغل حشيش اي ما غافت لليم ما نوز غادي تشغل حشيش اي ما غافت لليم ما نوز غادي تشغل حشيش اي ما غافت لليم ما نوز غادي تشغل حشيش اي ما غافت لليم ما نوز غادي تشغل حشيش Azoul, à tous, merci d'avoir répondu présent à l'appel de SFK. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je ne vous présente pas M. Younes Adli. Beaucoup le connaissent. C'est un grand historien, écrivain, journaliste, qu'on a déjà eu l'honneur d'inviter ici à Marseille et qui nous a fait partager la connaissance de Tej Maez. Il nous a un peu initié à la pensée kabyle. Et aujourd'hui, il revient pour nous parler des événements qu'il y a eu avant le début de la guerre, en 1954. Mais avant de lui donner, de lui céder la parole, aujourd'hui, on est le 21 avril. Hier, nous avons commémoré les événements qui s'est passé à Tmolfeurveil, les assassinats qu'il y a eu en 1980-2001. Alors, pour penser à tous les morts qu'il y a eu pour notre cher Kabylie, à tous ceux qui sont devenus handicapés à vie, à tous ceux qui ont perdu la vie sous les balles de la dictature algérienne, j'aimerais que vous vous levez tous, qu'on puisse faire une minute de silence pour nous rappeler cette douleur et ne pas l'oublier. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion et de respect que je vais céder la parole à Kader et à M. Younes Adli. Merci Anna, merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci à vous tous. Merci surtout aussi pour la minute de silence. Je pense que le meilleur service qu'on peut rendre à nos martyrs, que ce soit les martyrs de 63 lors de la lutte du FFS pour la démocratie, pour le multipartisme, que ce soit pour les martyrs de 1980, que ce soit aussi puisqu'il y a eu quand même beaucoup de massacres, beaucoup de tortures à cette époque, beaucoup d'emprisonnements, que ce soit aussi pour des martyrs de 2001, je pense que la meilleure chose que nous devons faire, c'est de continuer le combat. Le combat, il doit toujours continuer. Nous devons aller jusqu'à ce que l'objectif qu'ils ont tracé, le but qu'ils se sont donné, qu'il soit réalisé, c'est-à-dire donner
la liberté au peuple kabyle et de ne plus le laisser soumis à la dictature arabo-musulmane. Donc Younes Adli, comme l'a dit Anna, il se passe de toute présentation, donc c'est un écrivain, c'est un journaliste, on l'a déjà invité ici. Il va nous parler surtout aujourd'hui de la crise berbériste de 1949. C'est une période charnière de l'histoire de la Kabylie, dans laquelle je dirais que notre destin a basculé, tout simplement, parce que à l'époque, bien sûr, on ne peut pas en vouloir à toutes les personnes, à tous les acteurs de cette époque, mais on peut mettre ça sur le compte de l'oppression du colonialisme français. Il fallait unifier l'Europe pour libérer l'Algérie, mais sans tenir compte, bien sûr, de nous-mêmes, c'est-à-dire de ce que nous voulions vraiment. On a mis en balance notre liberté pour sauver toute l'Algérie. Je ne vais pas faire la conférence à la place de Younes Adli, bien sûr. Je lui passe de suite donc la parole. Merci de Younes. Merci Bidjidi Youssef pour la deuxième fois ici à Marseille. Admet. كاين غير الساكت هضره انا الصحراء شو طرق قبيلي فرونسيس معليش بيان سور بيان سور هذا الهضره فين من سما لا كريز ان فيت سيت اون كريز ديت بربريز دو 49 ما كاين ريا افوار افيك لو بربريز ان فيت Pourquoi on a choisi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en 2019, donc nous sommes en 2019, c'est le 70e anniversaire de cette crise de 49. Donc on a décidé depuis deux mois de commémorer 49 pendant toute l'année 2019. C'est-à-dire pas uniquement en France, on vient de le faire à Paris, en quelques endroits. On va continuer la semaine prochaine. On l'a fait bien sûr au pays, Xamour, le Canada a venu au Jeden, donc... d'ici la fin de l'année, il y aura quelque chose également aux USA. Donc on va essayer de faire un peu là où on pourra, y compris en Tunisie et au Maroc, et on va le dire dans la conférence pourquoi Tunisie et Maroc. Donc en fait, nous commémorons le 70e anniversaire, mais comme de juste, comme par hasard, cet anniversaire tombe avec les événements qui ont lieu en ce moment en Algérie, comme vous le savez. Et là, drôle de coïncidence, où, en tous les cas, il y a un lien intrinsèque entre 49 jusqu'à ce qui se passe en ce moment en Algérie. C'est ce que je vais essayer un peu de développer. Puis je compte aussi sur vous pour en débattre, en échangeant un peu autour de tout ça. Donc... pour parler de la crise berbériste de 49, moi, je vois tout de suite une date clé. C'est 47. Deux ans avant 49, nous sommes en 47, en février exactement, c'est le premier congrès du PPA-NTLD. En deux mots, le parti du PPA-NTLD, c'est celui qui a donc succédé au PPA. Le PPA lui-même ayant prolongé, d'une certaine façon, ce qu'on appelle l'étoile nord-africaine. Alors, en deux mots, parce qu'il y a le Kabyle, une fois de plus, au centre, c'est l'histoire, c'est comme ça. En commençant par cette étoile nord-africaine, qui est née entre 23 et 24, contrairement à ce qui se dit, donc entre 1923 et 1924, elle est née d'un fait kabyle. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le milieu de l'émigration, notamment en France, avait pour habitude, comme étant majoritairement, pour ne pas dire uniquement kabyle émigré au départ, donc en étant, on va dire, majoritairement kabyle, ce milieu avait des habitudes sociales. Entre autres, celle de créer chacun, de son côté, une copie de l'organisation sociopolitique de son village.
Donc pour résumer, chaque village de Kabylie qui avait des émigrés, et Dieu seul sait que c'est chaque village pratiquement qui avait ses émigrés en France, avait une copie de ce qui se passait dans son village, Sèche-Mince, etc., etc., avec des missions propres, parce que là, ce sont des travailleurs émigrés qui font la passerelle avec le village et l'organisation sociopolitique de leur village. Donc nous sommes en 23-24. Il y avait une association qu'on appellerait ici en France caritative du village d'Ethoumelou. Ethoumelou, c'est pas loin de l'Arvane-Thirès. Donc c'était une association qui activait tellement et qui avait des nombats qui vont passer, qui vont remonter dans l'étoile nord-africaine, notamment un certain Sidji Lenni Mohamed Saïd. Alors ce Sidji Lenni Mohamed Saïd, en 23-24, c'était celui qui a créé son association à Paris. Donc, on se réunissait, on avait des habitudes, etc. Mais, au fur et à mesure, il y avait des liens avec les milieux syndicaux français, y compris parfois avec des milieux politiques, notamment le Parti communiste. À l'époque, il était proche de cette émigration, d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, la première effervescence politique connue en Algérie en ce temps-là, elle émanait d'un milieu plutôt assimilationniste. Elle était le fait d'un certain émir Khaled, qui est le descendant de l'émir Abdelkader. Donc cet émir Khaled, il dit « Ferourine, il y a le gaz de Néron, il vient de Sertif ». Et je viens de Sertif, mais tiens, « Fra Faransan, d'avoir si mon nom ». Donc on cherchait l'assimilation. Donc cette association de Sidji Lenni et d'autres, parce qu'il y aura avec lui Rajef par la suite, il y aura avec lui notamment Jefel, qui sont à peu près du même village, donc du côté de l'Arvane-Thirès, vont s'intéresser à cette effervescence politique. Donc, de passage, un jour, l'émir Khaled est invité à une des réunions du village donc d'Ethoumelou. Il constate que c'est une organisation non seulement villageoise, mais déjà qui s'intéressait à la politique, et qui échangeait avec lui sur les problèmes de l'Algérie, etc. Et surtout, c'était des gens qui étaient en contact avec des milieux syndicaux, donc qui étaient pénétrés de certaines idées syndicales comme politiques. Je ne sais pas si c'est au bout de la première ou d'autres réunions, mais en tous les cas, le résultat de cette invitation a été qu'il faut créer tout de suite quelque chose. Une organisation qui dépasserait donc le village et qui serait beaucoup plus politique. Et c'est là qu'est née l'idée d'une organisation. Tout simplement parce que il y avait quelques travailleurs marocains et tunisiens, en ce moment-là en France, au lieu de se contenter de créer uniquement une organisation politique algérienne, ces gens-là se sont dit « Pourquoi ne pas penser à nos voisins, les Marocains et les Tunisiens ?» Donc c'est comme ça qu'est née cette idée. Et d'organisation qu'on va dénommer Étoile Nord-Africaine. Et le premier président, en 23-24, c'est l'un des trois de Ethoumelou, c'est Jefel. Donc Jefel a été porté premier président de l'Étoile Nord-Africaine. Là, c'est un questionnement qui reste posé pour moi. Il va y avoir un autre personnage qui va rentrer en jeu. C'est Messali Hadj. Messali Hadj, en 23-24, il a cherché à comprendre, parce qu'il connaissait l'émir Khaled, mais il ne savait pas ce que c'est qu'une organisation villageoise kabyle à Paris. Et comme elle a muté en formation politique, il a cherché à adhérer à l'Étoile Nord-Africaine. Et c'est comme ça. Et j'invite les gens qui veulent fouiner plus, c'est dans ses mémoires. Il l'a écrit de sa propre main. Dans ses mémoires, Messali Hadj dit que j'ai été amené à la politique grâce notamment donc, à cette organisation et à un nom
un certain Hadj Ali Abdelkader, qui est un kabyle de Rolizan. Kabyle, donc, qui a vécu à Rolizan avant d'émigrer en France. C'est dans ses mémoires. Donc, il arrive donc à adhérer à l'étoile nord-africaine, et c'est là mon questionnement. C'est qu'en 26, il adhère, et à la fin de l'année 26, vers décembre, donc vers la fin, on va dire en décembre de cette même année d'adhésion, il se retrouve président de l'étoile nord-africaine. On ne sait pas trop pourquoi, on sait seulement que dans l'histoire, Dieufel aurait cédé sa place pour des raisons médicales. Donc c'est à partir de 26, deux années après la naissance de l'étoile nord-africaine, que Salih Hadj a pris la présidence de l'ENA, de l'étoile nord-africaine. Ceci dit, pour dire quoi? Ça nous amène à remarquer que le milieu de l'émigration de l'époque était kabyle. Plus que majoritairement kabyle, on a des chiffres et des statistiques. Et que ce milieu de l'émigration avait déjà des habitudes, des réflexes de cotisation. On ne cotisait plus uniquement pour le village, mais là, on va cotiser pour le village. Donc, on tombe les villages, parce que l'étoile nord-africaine a ramassé tous les kabyles qui avaient des associations, chacun de son côté. Mais on va cotiser pour une nouvelle cause, qui est celle de l'étoile nord-africaine, donc qui prônait l'indépendance de l'Algérie. Alors, j'ai dit ça parce que M. Seri, en devenant président de cette étoile, va tout de suite essayer d'imposer une autre orientation. C'est laquelle c'est abandonner. Il disait donc aux gens de l'étoile, abandonner cette idée de lutte armée, restant légaliste. Pourquoi? Parce que l'étoile commençait déjà à se tracer un objectif qui était la lutte armée. Parce que l'indépendance, oui, mais comment? Ah, par la lutte armée. C'est lui, non. Alors pourquoi j'ai dit 47? Je reviens au Congrès. L'étoile nord-africaine est partie, lui succède le PPA, donc le PPA c'est septembre 39, et au PPA va succéder le PPA NTLD à partir de 46. Il va tenir son congrès en février 47. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Arrive ce congrès. Un congrès, il était censé être donc national. PPA, MTLD, objectif indépendance, mais par la légalité, le Congrès était censé représenter tous les effectifs à l'échelle nationale. Et là, je fais référence parce que c'était un des acteurs de l'époque, à Hosseini Thabet, qui l'a écrit dans son livre « Mémoire d'un combattant », qui disait « Au Congrès de février 1947, il n'y avait que deux rapports. » C'était lesquels? Le rapport de la direction nationale et le rapport du district de Kabylie. Ça revient à dire qu'à ce congrès, il n'y avait que deux forces qui travaillaient. Donc il y avait la direction nationale, quoi de plus normal, et il n'y avait que le district de Kabylie. Et là vont commencer, justement, pourquoi j'ai dit ça. En fait, cette indication dans l'histoire va nous amener à comprendre qu'il y avait deux facteurs déclenchants de la crise de 1949. Alors le premier, c'est les divergences autour du projet de société future. On va libérer un pays, mais quel est son projet de société à ce pays? Donc il y avait les divergences et le dilemme entre ce qu'a commencé Messali, c'est-à-dire le dilemme entre le politique et l'action armée. Alors, je vais commencer par ce premier facteur déclenchant, qui est les divergences donc, autour du projet de société. Et on va se retrouver, incroyablement, dans des projections basées sur la prédominance raciale. Je vais m'expliquer. Je vais revenir jusqu'en 1906.
parce que c'est un élément du débat autour de cette divergence qui est très peu connu. En fait, c'est encore un kabyle du nom d'Ismaïl Hemet, qui est inconnu, mais qui a produit un livre qui est resté, c'est « Les musulmans français du nord de l'Afrique ». Et ce livre, il l'a publié en 1906. Pourquoi on le verse volontairement dans le débat? Parce que c'est le premier, dans son livre, à avoir posé, à avoir donné une définition de ce que devrait être la nation algérienne. Alors je vous lis tout juste son résumé de cette nation. Il dit « Les éléments divers dont se compose la société africaine de l'Algérie sont appelés à s'unifier en s'incorporant des éléments européens, mais au bénéfice de la prédominance constante de la race berbère. » Donc voilà la première définition officielle, écrite, publiée, de ce que devait être, de ce que devrait être pour lui la nation algérienne. Je dis que je suis revenu en 1906 parce que c'est le premier élément qui a été versé un peu dans ce débat, mais plus tard, en 1931, donc on passe de 1906 à 1931, il va y avoir encore un autre kabyle du nom de Hussein Lahmak, de formation de juriste. C'était, il avait une formation de juriste. Hussein Lahmak, en 1931, il va publier également un livre, il va verser sa contribution à ce débat. Alors son livre, c'est s'intitule « Lettres algériennes ». Comme je l'ai dit, donc il l'a publié en 1931, mais lui va donner une définition encore plus large et plus moderne de cette nation. En une phrase, il disait « La nation algérienne doit être basée sur l'algérianité, l'africanité et l'universalité ». Déjà en 1931. Hasard ou coïncidence, 1931 va être l'année de naissance des ulama. Nous sommes en 31, le débat est ouvert, l'association des ulama va naître. Il faut savoir en deux mots que l'association des ulama est le prolongement de la Nahda d'Orient, de la renaissance d'Orient. Alors, en deux mots, c'est quoi les ulama? Les ulama, donc, vont s'immiscer dans ce débat. Et ils vont donner également leur définition de la nation algérienne, de ce que devrait être la nation algérienne. Pour eux, il y a d'abord la prédominance raciale, c'est-à-dire la supériorité morale et intellectuelle de la race arabe. Plus que ça, il promettait à l'islam une hégémonie mondiale. Donc on dépasse déjà le cadre d'une nation, d'un pays, et on se projette dans une hégémonie à une échelle mondiale. Et quant à cette nation purement algérienne, elle se résumait à l'arabité et à l'islamité. Mais plus que ça, la virulence de ces ulama par rapport à Hussein Lahmak, donc nous sommes dans la même année 31, ces ulama vont entrer en campagne, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas laisser le débat se poursuivre, bien qu'ils aient donné leur conception, leur notion de nation, ils vont s'attaquer personnellement à ce personnage et à son livre. Je vais vous lire comme ça un petit passage, mais qui est tellement... qui illustre tellement le projet de ces ulama. Et il est contenu dans une de leurs revues qui s'appelle Revue Najah du 2 et 30 septembre 1931, toujours pour ceux qui éventuellement voudraient aller chercher.
Alors il lui disait tout simplement, à Hussein Nahmaq, si tu n'es pas un jésuite, si tu n'es pas vendu aux jésuites, en tout cas, tu es un ennemi de ma religion et de ma race, au même titre que les jésuites. Donc nous voilà, en tant qu'Algérien, en tant que Kabyle intellectuel qui a versé dans le débat sa définition de la nation, qui est traité tout simplement de jésuite. Donc ça, on comprendra plus tard, parce que ces gens-là, ces ulama, comme je le disais, sont le prolongement de la Mahda d'Orient. Donc c'est Jamal Afrani, Mohamed Abdou, etc. D'où vont sortir les fameux frères musulmans. Mais c'est déjà une attaque en règle. Pourquoi ? Parce qu'on va aller dans un dilemme. On va aller dans une incompatibilité entre l'autochtonie qui était berbère à Mazir de ce pays et l'hégémonie que promettait une notion islamiste, panarabiste, qui était donc en complète contradiction avec une nation d'un pays défini à partir de son autochtonie, c'est-à-dire de son authenticité. Alors, je voudrais ajouter par rapport à ça, parce qu'on va retrouver le même fil par la suite, en fait, c'est un Nahda. Comprenez déjà dans sa composition, hormis les Jamal Afrani et Abdou, un autre nom qui va tellement influer sur notre histoire et le développement de notre, enfin sur notre devenir en tant qu'Algérien, c'est Chekib Arslan. Pourquoi Chekib Arslan ? Parce qu'il faut quand même rappeler qu'au moment où Messali Hadj avait pris la tête de l'étoile nord-africaine, Messali Hadj se promenait en nœud papillon, en costume nœud papillon, qui était ami des communistes, qui était marié à une Française, tout ce qu'il y a de plus moderne. Arrive un exil forcé, parce qu'il va connaître la prison des exils, cette fois-ci en 1935 en Suisse, un exil où il va faire connaissance de ce Chekib Arslan. Et à son retour d'exil, Messali Hadj, plus de nœud papillon, d'or et une barbe jusqu'au genou. Donc on revient, il revient d'exil en tant que personnage qui avait complètement muté. Et là, quand je dis, parce que c'est important par la suite, on va, au cours de l'histoire, saisir l'influence de ce Chekib Arslan sur Messali Hadj. Et Messali Hadj va essayer de se déteindre sur cette étoile nord-africaine, sur le PPA et sur le PPA-MTLD, parce qu'il a continué à être en tête de ces trois organisations. Et là, va naître également un autre problème, y compris déjà avec Imma Sharmar. Je ne sais pas si vous entendez parler d'Imma Sharmar. Imma Sharmar était au PPA, était déjà avec le Messali, déjà avec l'étoile nord-africaine vers la fin, puis avec Messali à la naissance du PPA. Et là déjà, un Imma Sharmar avait commencé à dire à Messali, vous êtes sur une fausse trajectoire. Nous sommes Algériens. Nous voulons définir cette notion de nation, mais vous vous êtes éloigné complètement de l'autochtonie. Donc, vous êtes sur une fausse piste. D'ailleurs, ils vont se séparer par la suite. Et ce qui est important en parlant de Imma Sharmar, c'est qu'il a commencé à poser à Messali le problème d'organisation aussi de cette Algérie. Pas uniquement de la définition de la nation, mais comment sera gouvernée cette Algérie libérée et future. Et là, évidemment, Messali avait ses réponses. Et Imesh, c'est pour l'histoire, Imesh Amar disait, si cette Algérie future
ne sera pas organisé sur le schéma de Tejmaat Kabyle, moi je n'y crois pas du tout. Et là, il va y avoir une rupture et Machamar va complètement quitter. Donc il va complètement se séparer de Messali Hajj. On va retrouver plus tard ce film, mais maintenant j'aimerais vous parler également de deux événements qui ont eu lieu justement. J'ai parlé de ce congrès de 47, mais à la fin de la même année 47, c'est que Messali sentant le danger de ce district de Kabylie, qui commençait à produire justement pour le parti une littérature militante pour le parti qui disait à chaque fois, qui faisait référence à chaque fois à l'histoire et à l'autochtonie, mais Messali va essayer de les devancer. Il demande à son équipe rédactionnelle de l'époque de concevoir un mémorandum. Nous sommes en fin 47. Un mémorandum qu'il voulait présenter à l'ONU. Et là, effectivement, ce mémorandum va être rédigé par son équipe donc, immédiate. Mais quand le fameux district de Kabylie va prendre connaissance de ce rapport, Benay Wali, qui a organisé toute la Kabylie pour le PPA-MTLD, va arriver avec un autre rapport en disant que ce que vous voulez écrire, vous, est déposé au niveau de l'ONU, c'est-à-dire que ce pays n'a existé qu'à partir du 7e siècle, c'est-à-dire à partir de l'arrivée des Arabes, nous, on le trouve incomplet. Parce qu'avant l'arrivée des Arabes, avant le 7e siècle, il y a toute une histoire qui remonte très très loin. Et là, on va commencer entre Benay Wali et Messali Hajj, une rivalité, voire une guerre interne sans merci. Et là, se rendant compte que Messali n'ayant pas pris en considération le rapport de ce district de Kabylie, Benay va tenir une réunion qui est très peu connue ou même absolument méconnue de l'histoire. C'est ce qui est resté comme étant la réunion d'Aros. Aros étant un village juste avant l'Arba'a Nathiyelathn. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en été 48, donc quelques mois après ce mémorandum, Benay convoque les intellectuels du district de Kabylie, qui étaient en majorité lycéens et étudiants. Laïm Chahli était lycéen, et Tahmed était lycéen à cette époque-là. Il y avait des étudiants, des noms d'Oussoudir, Hajras, etc. Donc ils sont réunis dans ce village, et il leur a demandé de produire une brochure qu'ils allaient rendre publique. À partir du moment où Messali les a complètement dégagés, ignorés, on va rendre publique notre position. Et c'est là qu'il y a eu la production de cette brochure qui a remis en place la définition de cette nation, en fait, qui n'est pas née du 7e siècle, tout simplement. Et profitant de cette opportunité, rappeler que le zaïmisme de Messali a produit un déficit démocratique important au sein du parti. Voilà un peu ce que je voulais rappeler comme donc premier facteur déclenchant de la crise. Et le deuxième, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant le dilemme entre le politique et l'action armée, je vais vous me référer à la fin. Donc la réunion d'Aarhus, c'était l'été 48. En décembre de la même année 48, va se tenir une réunion. En fait, c'était un comité central élargi du PPA-MTLD. Il va se tenir du côté d'Elasnam. La région s'appelle Zeddine. Et c'est comme ça que c'est resté également la réunion du comité central de Zeddine. Décembre 48, les éléments de l'OS, on n'a pas tout le temps, on n'a pas le temps d'expliquer. L'OS, c'est l'organisation spéciale qui est justement à partir de ce congrès de 47
et qui va essayer de dépasser la légalité de Messali pour concevoir et débuter l'action armée. Elle était prise au départ par Mohamed Belouizdad, qui pour des raisons de santé a cédé sa place à Ed Hamid al-Hussein. Donc l'OS a commencé à fonctionner. Et c'est à partir de cette réunion de Zedine de décembre 1948 que Messali Hadj va se sentir dépassé. On opte pour l'option armée, définitivement. Mais il ne va pas baisser les bras. Et c'est là que la véritable crise de 1949, en fait, va être déclenchée. Elle n'avait rien de berbériste. Elle avait ces raisons qu'on vient d'évoquer. Mais Messali, en étant pernicieux dans sa politique, en ayant circonscrit ses adversaires politiques, ayant tout de suite compris qu'il n'y avait que ce district de Kabylie pour l'empêcher donc de poursuivre son objectif, c'est des berbéristes. Donc il disait, faites attention, il y a des berbéristes qui veulent libérer ce pays pour eux. Il y a un régionalisme kabyle qui était tout à fait fictif, mais en fait c'était pour cacher sa déception, en fait, pour cacher sa défaite. Et qu'il n'avait pas accepté. Et là, on va assister dans l'histoire. Zedine, c'est décembre 1948. Dès le début de 1949, et ça va se prolonger jusqu'en 1950, il va y avoir des délations. Tous les jeunes kabyles, qui sont surtout dans l'os, ou qui militaient donc dans la même option, vont être arrêtés les uns après les autres. Qu'on parle enchantement. Le premier étant Benay Wali. Benay Wali qui allait embarquer à Oran pour voir, parce qu'il y avait une fédération de France, du PPRMTLD également. Donc il devait embarquer pour une réunion, pour aller des contacts avec cette fédération. Il se fait prendre. Donc on savait qu'il allait embarquer à telle heure sur tel bateau, à telle... Donc on le prend. Il est prisonnier. Mais en 50, on va constater qu'il y a eu pas moins de 400, ça c'est les statistiques officielles, 400 arrestations de tous ces jeunes, et tout le temps identifiés de la même façon. Mais jamais, ni Messali, ni son entourage immédiat, ni cette direction politique nationale. Donc on va se retrouver avec des prisonniers kabyles, avec des prisonniers qui avaient investi l'os, et qui commençait à organiser en fait le déclenchement qui n'aura lieu que beaucoup plus tard, c'est-à-dire en novembre 1954. Alors, bon voilà, pour moi, ces deux facteurs déclenchants sur tous ces éléments de débat qui ont été versés, publiés, il est important aujourd'hui pour nous de les connaître et de les débattre aussi, également. Mais tout ça a eu des conséquences. Cette crise, donc, dite berbériste, a eu des conséquences. Et les premières conséquences, je dirais pour moi, qui sont les plus graves, c'est qu'après, on va déboucher en 54, 1er novembre, sur le début de la guerre, donc de la lutte armée. Première conséquence, et c'est ce qui explique maintenant notre regard sur Messali, c'est qu'il va créer en face du FLN de guerre qui a commencé, donc ses actions armées contre le colonisateur français, il va créer des forces armées, mais pas contre le colonisateur français, mais contre le FLN de guerre. Il y a eu des massacres à Paris, il y a eu des cafés qui ont été mitraillés. Bien évidemment, le FLN de guerre a riposté. Donc, Messali a créé. Au moment où le FLN de guerre a commencé la guerre de libération, les hostilités avec les Français, a créé une organisation contre ce FLN. Mais le plus grave pour moi, c'est vrai que des vies humaines comme ça qu'on tue, des luttes fratricides, des guerres fratricides sont pénibles. Mais ce qui reste dans l'histoire est encore plus grave, ce sont les conséquences écrites
les conséquences sur ce fameux projet de société. 54, la guerre est déclenchée. 54, c'est d'abord un des premiers textes fondateurs, parce que ces conséquences auront lieu, auront des répercussions sur tous les textes fondateurs. Dont le premier est la proclamation du 1er novembre 54. Elle a eu lieu dans un village kabyle, c'est Herry-les-Moulins, pas loin des Oadias. Il n'y a eu aucune place réservée à cette projection donc, autochtone de la nation algérienne, c'est-à-dire en trivialement parlant. Il n'y a eu aucune place de réservée à Thamazios. Aucune. Le principe islamiste, coup d'œil, on va dire, vers cette notion d'arabité, oui. Vient ensuite le deuxième texte fondateur, c'est le Congrès de la Souma. Le Congrès de la Souma a eu un réflexe, c'est celui de convoquer l'africanité. L'africanité pour reconvoquer l'authenticité, mais sans plus. Mais à côté de cette donc autochtonie, africanité, autochtonie, authenticité, on a textuellement, dans le texte du Congrès, revendiqué une place pour l'arabe, y compris pour de nouvelles écoles arabes. C'est dans le deuxième texte. Mais le plus grave, c'est le troisième. Le troisième, c'est ce qu'on appelle communément le Congrès de Tripoli. De juin 62. Alors le congrès de Tripoli, qui était censé être une réunion du CNRA, l'instance donc dirigeante de la guerre de libération, qui est née du congrès de la Souma, on va revenir, si vous voulez, sur des détails dans le, en cours de débat, parce que c'est important, comment est arrivé ce Bumbella. Alors ce Bumbella en deux mots, mais je préfère qu'on en revienne en cours de débat. On va parler de Cheikh Ibn Arslan, qui se déteint sur Messali Hajj, mais Cheikh Ibn Arslan faisant partie donc, de cette Nahda d'Orient, le travail a été fait en direction de certains chefs d'État de pays arabes, dont un, Jamal Abd Nasser, l'Égyptien. Pourquoi j'en parle? Parce que la délégation extérieure du FLN de guerre était basée au Caire. Elle était en Égypte. Bumbella étant parmi eux, Jamal Abd Nasser ayant été convaincu par ce Cheikh Ibn Arslan et surtout l'idée de projection des nationalismes arabes, du panarabisme, il fait prendre en charge Bumbella. Par les services secrets, ces services secrets, dont Fethi Dib, etc. Donc on va revenir comme ça pendant les débats. Donc ce Bumbella, qui était porté à la tête de la délégation extérieure, va travailler dans cette direction, pas dans une autre direction. Arrive ce congrès ou cette rencontre de Tripoli, il va complètement ignorer tous les autres et arriver à rédiger une constitution où il sera dit pour la première fois, où un texte fondateur va dire pour la première fois, dans un article, je crois que c'est le 2, que l'islam est religion d'État, que l'arabe est la langue officielle de l'Algérie. Et c'est un texte, malheureusement, qui est, comme je l'ai dit, fondateur, et qui va avoir des répercussions jusqu'en 2019, jusqu'au moment où nous parlons. Et ce qu'il y a encore de plus malheureux pendant cette guerre de libération, on va revenir à ces acteurs de 49, c'est qu'on va commencer à les éliminer physiquement. Nous sommes en guerre, nous sommes en situation cruciale, il y a eu des éléments. Même si Benay avait refusé de rejoindre le FLN de guerre, en disant tout simplement que vos textes déjà ne prennent pas en charge nos revendications identitaires, donc pourquoi je vais rejoindre? Il n'a jamais été contre comme le MLA.
comme les troupes de Messali. Je suis du même village que Ben Nayouali, Jman Sarij, pour ceux qui connaîtraient. C'est quelqu'un qui est revenu vivre en reclus à Jman Sarij, si bien qu'on l'a assassiné devant la porte de sa maison, dans son propre village. Et avant lui, il y a eu quand même, il faut les rappeler, des gens qui étaient aussi bien, on va dire, actifs que Ben Nayouali. C'est Mbar Kait Mengelet, c'est Amraït Hamouda, c'est le docteur Salhaït Mohamed Saïd, c'est un certain Ferhat Ali, dit Ali Mahmoud, du côté de Tizi Rachel, etc., etc. Donc on va procéder à des éliminations physiques. Pourquoi? Parce qu'en 1949, ils étaient déjà contre nous. Un deuxième questionnement, on peut revenir en cours de débat. On ne comprend pas. On n'a jamais compris. Pourquoi on les a assassinés? Il y a comme ça des versions. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais ça n'engage que moi. Parce qu'on dit souvent l'intelligence, la veilleuse, etc. Oui, je suis d'accord. Mais des fois, on se demande où est cette intelligence. Un exemple, quand même. Parce que Ben Nayouali, donc nous sommes en février 57. Vous avez dit que la mort, la décision, alors, c'est le CCE. Le CCE, mais c'était l'instance suprême qui est née du Congrès. Ah oui, il est là. Il est à Ben. Il est à Ben, d'accord. Mathieu Wahedus. Il est Karim. Bon, il est le Qadaïd dominant, d'accord. Marat. Si on descend en décembre de la même année, d'ailleurs, il y a un essai de ce qui est un. Si Anas Dirgazen, Anas Athan, le CCE t'a condamné à mort en même temps que les messalistes, les communistes. C'est d'où que l'on veut dire, les barbaristes. Inès Maïla Aïla, Anfas Anfas Aïla. Il faut les choukhadlar. C'est vrai, quand on prend un bédé, on ne l'a pas dit. Et c'est ça qui a commencé à ramasser les premières armes pour 54. Déjà en 45. Donc, Krim, Yonam Krim, Yonam Abdel, Yonam Zel, ou de Kshimlaya, en ce pays de Benaya. Du moins, Kshimand, le Firis. On peut parler de l'Azim Neshir, du côté d'Azazga, etc. Kshimand, c'est le Firis, en ce pays de la Saoud. Il n'est pas un Sélimé Abdel. Je crois qu'Ali Hiyala a écrit, d'Abdelon. Il n'est pas un Sélimé Abdel, mais il n'est pas un Sélimé Abdel, mais il n'est pas un. C'est ce qui est arrivé. Février 90, décembre de la même année, dans l'Aben Ramar. Donc, comment on peut être visionnaire, même au milieu de guerre, et à ce temps-là, quoi. Donc, le Chouvaïa de nous, ça c'est important pour nous aujourd'hui. C'est qu'on a très vite, on va oublier l'impact de 49. Mais maintenant, c'est un azir, c'est quoi ça? Mais al-Khadzar, c'est l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, voici. Les Libyens, ils ne veulent même pas déposer les armes, tant que dans la future Libye qui est en train de se dessiner, c'est Mazir, ou du moins la question identitaire n'est pas réglée. Le Maroc, c'est la production, c'est Mazir, c'est Maroc, ils avancent beaucoup. Tunis, Bden. Le Kounia, Al-Tswalim. Mais maintenant, voilà le 49. C'est Mazan, qui c'est l'Asie. Qui c'est l'Asie. Smith, Bden, Farrak, Timoua. Madendum, le Maroc. Le Maroc a dit, on est où le Loir? C'était après la Reconquista, donc début du 16e. Smith, Arab, Walen, donc à la fin de Tvan, sur les côtes. Il y avait les Portugais et les Espagnols qui menaçaient le Maroc. Ils étaient même établis sur les côtes, il y a encore des traces. Il va se passer quelque chose d'important au Maroc. C'est l'introduction d'un nouvel acteur sociopolitique qui n'existait pas, Xmezra, dans le système, si vous voulez, traditionnel de gouvernance et d'organisation amazigh. C'est le shérif.
وغاريت شي طوحه في مرتب القبائل الميزه سمين تسميه شريف محمد شريف باسم شريف سيب الشريف سيب كل الشريف اسميه لي بورتوغيز لي اسبانيول en ce début du 16e, ont trouvé une résistance organisée capable qui leur a pas permis de dominer le Maroc. C'était des hommes religieux et d'oufens. Ils avaient des moyens de guerre et des moyens logistiques. C'était organisé. Kouvlen, Revhen. Et d'abord, une dynastie. Ouattasid, Refken le pouvoir et la dynastie Alaouite qui ne sont pas amazirs du tout. Nous avons instrumentalisé cette notion de shérif parce que c'est l'homme religieux qui a résisté, qui a libéré le Maroc. Donc il faut le vénérer. Et nous venons tout de suite les Alaouites. Il faut savoir que les Alaouites jusqu'à Mohamed VI, mais ils sont nos dictateurs du Maroc. Ils vont s'autoproclamer comme étant proches du prophète. C'est très important. Alors que nous connaissons les Alaouites, ça va prendre. Et pire, parce que dans les mêmes matchs des Maziers, ils Maziers n'ont pas besoin de nous. Comme de juste, ils ont décrété. Ils ont décrété que ce sont des citoyens de seconde zone. C'est le citoyen de seconde zone. Tu es né esclave parce que tu n'as pas cette élection que moi-même j'ai auprès du ciel de Mohammed, on va dire. Voilà ce qui s'est passé avec le Maroc. Et jusqu'à aujourd'hui, vous le savez, ce sont les Alaouites qui ne sont pas Amazirs, qui essaient absolument de confiner les Amazirs dans les terres les plus arides. Et en ville, ils sont dilués, soit le roi n'a pas dit, bon, le haut Atlas, tu es confiné là-bas. Alors voilà ce qui s'est passé avec le Maroc. Alors, ce roi, qu'est-ce qu'il dit? Nous connaissons des paroles, donc l'islam. Et la confusion qui va être faite entre cette religion et la langue arabe, où tu n'as déjà fait l'islam, où tu n'as déjà fait tous les arabes. Tu as réussi d'y nous le Coran. Et tu m'as dit, on n'en parle même pas. Founes, la chose n'est vraie. Le Maroc donc ils n'ont pas eu de mouvement national ni de guerre de libération. Ils ont eu un protectorat. Tous ils ont eu, contrairement au Maroc, un mouvement national. Ils ont essayé de commencer à réfléchir sur une libération, voire y compris armément. Ils ont eu ce mouvement national. Et là, ils ont eu, je vais le dire entre guillemets, la chance, entre guillemets, d'avoir un personnage, Emilkar Bourguiba. Et Bourguiba, contrairement au Maroc, va libérer le Tunisien, surtout le Tunisois. Pourquoi le Tunisois, pas le Tunisien? Il l'a libéré de l'emprise de la religion. Bourguiba, ben la massacre, ils sont aussi, ils sont libres par rapport à la religion, c'est parce qu'il a donné l'exemple. C'est-à-dire dans la télévision, le Ramadan. Il sait. Le livre, le Ramadan, il m'a dit, il les a libérés de ce poids. Quant à la langue, non. On est tranquille, et puis voilà. Donc ça m'a dit tout d'abord. La Libye, rapidement, c'est la même chose. La Libye, il faut savoir qu'au début, il y a eu trois grandes régions. C'est le Snoussi, sous forme de royauté. Donc la Libye fonctionnait. La Libye, le grand tournant, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des sociétés pétrolières qui s'étaient rendues compte qu'il y avait des richesses immenses dans le sous-sol libyen. Donc, Lina, comment maintenir ce pays dans une organisation qui ferait qu'on va prendre nos intérêts dans un pays stable? Donc, ils ont chargé la France, l'Italie et l'Angleterre de réorganiser la Libye. Que bon, la guerre mondiale, l'antalienne, bon. Le rapport de ces trois pays ne laisse à nous aucun à la royauté ni à rien parce que c'était la guerre, de ne rien laisser nous s'y aiguiller, ou qui qu'elle a ici, je me rends, ou qui a dit ça, c'est une dernière, ou l'autre, c'est une marraine, ou l'autre, c'est une marraine. Il y avait une force qu'ils ont développée. Il y a une analogie avec ce qui se passe maintenant. Ils ont développé l'armée. Il fallait une armée, une ossature, une discipline. Donc l'armée connaissait les moyens. L'armée était la garante de tous ses intérêts, de toute cette stabilité nécessaire à ses intérêts. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que le chamboulement va provenir de cette armée. Et c'est à moi un marque défi. Contrairement à Bourguiba et à la chanceuse tunisienne, la Libye, Mouammar Kadhafi, il va faire un coup d'État en 69. Donc il va devenir le premier responsable de la Libye. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas toucher les intérêts du pétrole parce qu'ils auront affaire à ce doule. Inès Touré, je proclame ce pays comme étant une république islamiste. Donc en 69, la Libye doit la république islamique. République libyenne islamique comme ça. Et c'est tout le monde qui trouvait son compte. Il a été jusqu'à interdire les Mazirs libyens de dans le téléphone. Maintenant que c'est dans le téléphone, ce Mazir, c'est la prison. Donc, l'islam, l'Étoile, ça arrive, oui, mais un Mazir, c'est là. De nouveau, le 49, le quatrième pays du démembrement de sa Mazir, la Berbérie, c'est l'Algérie. Nous, on a eu un mouvement national. On a eu une guerre de libération nationale. On a eu tous les malheurs du monde. Et on a eu cette chance d'avoir la Kabylie. Parce que c'est cette petite région, dans cet immense espace de Tenezra, qui a fait que nous avons eu 49 ans. Parce que je suis un dénègre. Oui, on va libérer le pays. Et nous sommes tous. Et où est-ce que c'est un mazir? C'est ce qui a valu l'assassinat d'Aben et de ses compagnons. Mais il faut qu'on sache aujourd'hui que ce sacrifice n'a pas été vain. Parce que c'est grâce à cette crise, c'est grâce à ces gens-là, c'est grâce à 49, que non seulement l'Algérie n'a pas cédé entre 62 et Ségué, la Kabylie, qu'elle est dit son. La Kabylie, Tsfad, fils, Aïnes, on existe, on a un grave problème. C'est le plus grave de nos problèmes, c'est le problème identitaire. Depuis 62. C'est bien que le 22 février passé, que tous les Algériens soient descendus, c'est bien. Mais à l'Atkmil, on peut en discuter. Et s'il n'y a pas eu 49, je vous assure, moi c'est ma conviction personnelle et profonde. Il n'y aurait jamais eu de Femazir, ni en Libye, ni au Maroc, ni en Tunisie. Ça, c'est objectif. Donc, c'est grâce à ça. C'est qu'à l'heure du 70e anniversaire, c'est objectif. C'est le SNAR. Néanmoins, il y a comme une coïncidence avec ce qui se passe. Et on ne leur rendra jamais assez hommage à ces gens-là. C'est un exercice, c'est bien assez, non seulement que vous êtes là, mais c'est là que Libye, c'est là que le Maroc, c'est là que Tunis. Vous faites bien, c'est nous, mais c'est là que c'est là que c'est là. Merci. Faites mes compagnes de Younes, sauf toutes les informations que vous donnez depuis Dakar. Ce sont des informations qui sont très précieuses au niveau de l'histoire. Donc celui qui ne connaît pas très bien son histoire, il ne pourra jamais avancer. Et malheureusement, il faut dire des choses telles qu'elles sont.
L'ICNI, c'est Kouéliyen, mais on ne va pas dire on est les seuls ou on est un cas particulier dans le monde. On est comme tous les peuples, on oublie nous aussi, bien sûr, il y a des choses qu'on oublie. Malheureusement, l'histoire du cheminement du mouvement national, nous l'oublions, nous avons beaucoup oublié de la crise berbériste de 1949. On va passer à la série de questions au débat. Je souhaite que les interventions soient brèves. On peut bien sûr, c'est le débat, donner la parole pour ceux qui veulent donner leur opinion, exprimer leur opinion. Je voudrais juste commencer par à donner deux questions de Nice, Younes. Donc, au niveau... Aïd Ahmed, il a écrit dans son livre que dans le PPA-NTLD, à cette époque, en 1949, l'effectif des militants était pratiquement plus de 90% était kabyles. C'est-à-dire que sur les 14 000 militants du PPA-NTLD, 12 000 étaient du Kabylie. Ça pose un questionnement énorme. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit sur la présentation de l'événement sur les réseaux sociaux et sur le journal de Tamoul. Comment se fait-il que sur 12 000, c'est-à-dire que très, 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 très majoritaire, nous avons perdu le contrôle? Et encore, c'est une question que l'on pose, qui revient, c'est quelque chose d'énorme. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Donc, est-ce que... On va essayer de prendre une série de questions. On va aller jusqu'à deux questions. Donc ça, c'est la première question. On va donner le micro. Donc, Adam, il veut poser une question. Voilà. Essayez d'être bref, s'il vous plaît. Merci. Il a le micro, mais à dire, alors, du coup, ça, on va utiliser celui-là. Oui. Et c'est tout? Ouais, c'est bon. Donc on va essayer d'exploiter ça pour... Ah, Wadrol, Wadam, vas-y, on t'écoute. Azul Lawen, merci à Daïunus, en tout cas, c'est un plaisir d'apprendre tout ce... Bien sûr, Mazumat a dit quelque chose sur ça. Quel était l'apport de la France, coloniale, bien sûr, dans l'histoire et le cheminement de l'arabisme, notamment en Afrique du Nord, mais aussi dans toutes ces colonies. En sachant qu'en 1863, après donc l'arrivée de Napoléon III, il a créé ce que lui appelait, enfin il a voulu créer ce qu'il appelait à l'époque, ce qu'il avait appelé l'Empire, le Royaume arabe dans l'Empire français. Et ça, je pose la question parce que ils ont organisé il y a quelques années de ça en arrière une émission sur Radio Culture. Ils ont invité des historiens, ils ont abordé cette question, où ils disaient que dans le projet de Napoléon III, et bien évidemment après des gens qui l'ont succédé, c'était de mettre Amer al-Qadr à la tête de ce royaume. Et donc entre-temps, dans cette émission, ils ont passé des chansons, notamment une chanson de quelqu'un, je ne me rappelle plus, une chanson qui datait de 1933, une chanson française donc qui rendait hommage à justement à la contribution de la réussite du colonialisme dans les pays que eux ils disent arabes et rendait hommage dans cette chanson à Amer al-Qadr. Et une deuxième question, Mehri en 2006, Vladimir Meuth, il était invité par la chaîne 3, par la radio chaîne 3, une radio
nationale algérienne, il disait l'arabisation de l'Algérie nous a été imposée par De Gaulle. Moi, quand j'ai entendu ça, donc j'ai été fouiné, j'ai regardé dans les textes des accords d'Évian, j'ai pas trouvé trace de ça. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas sorties. Mais pourquoi Mehri a dit ça et par quel réseau et quel créneau De Gaulle aurait imposé la langue arabe à l'Algérie? Alors Mehri disait il nous a imposé la langue arabe contre l'indépendance. En fait, si on voulait être indépendant, il fallait qu'on accepte d'être arabe. C'est mieux fait qu'après, peut-être plus tard, s'il y a du temps, je vous poserai encore peut-être une ou deux autres questions sur la cabine. Merci. صبر جيت كان شي طوح لهنا تكون ماكسيموم 2 مينوت لا كاستيون باش غادي يفهم ميرسي ا كادير بور لورغانيزاسيون لا كونفيرونس ميرسي مسيو عبدي دو فولوار توجور ريبوند بريزون اي لا كاليتي دو لا سون انترفونسيون جوست اون بيتيت شوز مسيو عبدي لي دافون ديسكوتي ف لانفلونس دو ليجيبت Je pense que le Warsaw récupère parce que si la Rakhine, vous l'avez bien restitué, il faut dire que la période d'Afrique elle coïncidait avec une pensée moyen-orientale au Fenir, donc il parlait dans la perspective de la vision de Michel Afdar, le monde arabe, etc., arabo-musulman, et l'Algérie, c'est une partie intégrante de ce monde arabe, d'après qu'il a abordé une partie de la question. Et Fatah Diop, dans ses mémoires, il dit clairement, enfin, entre autres, par exemple, que l'assassinat d'Abd al-Ramdan était indispensable parce qu'il constituait un danger pour l'Algérie et pour le projet du monde arabe. Donc il expliquait que par la suite, aussi, on peut aussi lui attribuer l'assassinat de Khmisti aussi à Alger parce qu'on était en cause. Le fait. Juste une dernière chose, par rapport à la France, il faut savoir que la France ne pourra jamais, on vérifie sa guerre, appuyer un mouvement démocratique dit mort, parce que pour la vision arabe, c'est la vision qui maintient les intérêts de la France, et le fait de construire un monde arabo-musulman correspond plus à leur perspective d'un monde économiquement lié aux intérêts de l'Occident et de l'Europe de manière générale. Et on va le vérifier en 62, l'armée des frontières, notre Moudjahida récemment, l'armée des frontières était encadrée par la France. Donc, je vais dire, ceci explique cela. Merci. Question. Il faut que je puisse répondre. C'est vrai. Il y a des chiffres donnés par des acteurs donc, qui ont pris une part active au mouvement national, donc aussi Internet. On le cite parce qu'il a écrit, donc il s'est engagé par écrit, etc. C'est vrai que PPA-MTLD, vous avez un message. PPA-MTLD, lui aussi, a donné ses chiffres sur un effectif de 14 000 adhérents, 11 000 étaient kabyles. Il l'a dit, bon. Adar l'a posé à sa place en disant comment se fait-il qu'on était en surreprésentativité et qu'on devienne les défaits, en quelque sorte. C'est pas normal. Et je l'ai écouté une fois. Bien après l'ouverture politique, il avait commencé à développer une notion de colonialisme interne, colonialisme intérieur, sans aller trop loin. Il avait certainement ses raisons. C'est vrai que Madnoua, le Cheikh Barcelen, c'est pas pour rien. Mais en fait, toute cette nava d'Orient, de Paral, Afrani, Abdoun, Arslan, Douyab, Ils ont produit, Zemreddinien, pour vous dire leur force et leur continuité dans l'organisation, leur persévérance. Zemreddinien, les salafistes, les rassagés, les revoirs, les tout derna,
c'est la continuité. Ils ont travaillé en étant excellemment organisés. Ils ont défini leurs objectifs. Et c'est vrai que géostratégiquement parlant, l'Algérie va être dans cet espace de monde arabe. Parce que même la carte géographique, la carte géographique de l'Algérien d'Athla, il va comprendre qu'elle est au milieu d'un centre d'intérêt. Ce n'est pas n'importe quel espace. Donc, oui, comme on doit reconnaître aussi la force de la Kabylie, qui est celle d'accepter les autres religions qui étaient avant. La Kabylie, il faut le savoir qu'elle a été traversée par des religions. C'est encore vivant dans notre mémoire, parce qu'on a été traversé. On a été traversé par toutes ces religions. Et j'en profite pour dire que dans l'histoire de la Kabylie, il n'y a jamais eu de guerre religieuse. Et en fait, c'était une formule tout simplement d'ouverture de séance de On décomplexe l'assistance. Mais on a classé comme ça, en dehors et en plus de cette forme de laïcité qui a été vécue. En tant que personne, nous sommes français, nous sommes la laïcité. Donc nous faisons partie dans la pratique. Donc on était un peu dans une fête qui se mouserait. Mais quoi, je vois, Amelin Fouz l'aïs. Dinagi nous faillait. Mais même dîner l'islam, il nous a dit ça. Il a pas de sakhina. Il est sous l'aise de l'Oran. Donc on est passé dans une notion qui est en développement actuellement parce que la France est passée par là aussi. C'est l'essentialisation de la langue arabe. Plus que ça, ce que je me dis, dans la sacralisation. Si bien qu'il m'a ramené à un certain moment, malgré l'an 14 000 sur 14 000, l'an 11 000 kabir, mais Wagi n'a pas besoin de nombre. Et nous, on sera même dans l'immigration, c'était des religieux, c'était des pratiquants sincères. Donc, ce que je me disais, c'était un facteur bloquant. C'est des jeunes diplômés. Donc c'est un des, je dis bien, c'est un des facteurs bloquants. Mais en même temps, on s'est rendu compte, et ça s'est passé dans d'autres pays. L'Indonésie l'a connu, on peut en revenir avec d'autres moult détails, c'est que vous fermerez des romines, ça a des fondements.
l'un des fondements qui les a gênés. C'est le fondement du droit qu'ils ont appelé coutumier. C'est un droit min jang français. Vous faites un arrêt de faire un arrêt. Le droit dit coutumier, on va l'appeler comme ça. Et qu'il se réjouit le droit pénal, le droit civil, etc. etc. Enfin, des analogies. Mais il faut qu'il reste coutumier parce que je suis le colonisateur, vous restez en dessous. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé avec dans d'autres pays, y compris surtout l'Indonésie. C'est que maintenant, dans la pratique, c'est au service de l'avenir, Sharia, et le droit coutumier fait obstacle. Un mec, on trouve à la carte, pour finir, dit Kathy ou Nadia, dit que je suis à la carte. C'est naturel. Quand on le connaît, on n'est pas parti sur un droit divin. Le droit divin, c'est quoi? Sharia, le droit musulman, le fiqh, etc. Pour eux, c'est un droit divin. Donc, même tu n'as pas le droit de toucher. Donc, tu scléroses toute une société. Donc, c'est le contraire, le droit là. C'est le droit humain. Un mine français, mais tu mourras le mal. Et ça veut dire quoi? Il est perfectible. Et second 2019, le khalqat des lois, dans 20 ans, il a 4 de l'autre. Pourquoi? Parce que la société a muté, s'est développée. Nous disons non. Et ça, c'est la sclérose. Et mettre Bunda, le khadar, y compris les puissances guillemets, américaines, françaises, l'Allemagne, ils encouragent. Ils encouragent parce qu'à partir de cette immuabilité, on ne peut pas avancer. Nous connaissons la France. Si bien que, étant pieux, étant convaincu, étant religieux, je fais mon devoir religieux. Nous disons non, c'est pas ça. Moi, je vous assure, ça ne fait pas longtemps que les plus hautes administrations du pays, et des journées de réception, c'est drôle, parce qu'il y a une concentration à Alger. Pour des journées de réception, c'est de parler, il y aura la centenaire parce qu'il lui a fait perdre du temps au lieu de le recevoir, il aura le droit de venir, ils sont fous. La notion de travail, on a la parole à Kunalvan, c'est une notion maîtrisée. On a retrouvé même des repères économiques insoupçonnés. C'est quoi? C'est une jauge. C'est que la jauge a baissé. Donc, vous allez acheter de ma zèle, donc je vais me réguler par rapport à ça. Et on peut multiplier les exemples, on peut les multiplier. Ce qu'il y a, on est dans le cinéma, c'est l'oralité. Non. C'est pour ça qu'on est arrivé à parler de pensée. Pensée kabyle. On a une pensée philosophique, on a une pensée économique, oui. On parle maintenant. On a une pensée. Social, politique, etc. Mais il n'a pas la divine. Donc voilà un pierre de la donne en dehors aussi de la religion. Moi je pense que pour le deuxième intervenant, c'est un peu la suite. Oui, la France dans le développement, oui, elle a gêné. Et ce que quand même dit, en 1844, c'était Mohamed Zamoun
qui était avant l'émir Abdel Qadir dans la résistance. Parce que Mohamed Nzaboum, il a commencé en 1830. Il va dire au milieu. En fait, c'était les confédérations kabyles, si je ne vous ai pas dit, vous avez 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 dit, c'est l'armée Bujok d'Hélice avec les renforts en 1840. La première réalisation, c'était quoi à votre avis? Baudelaire-Nénès, vous notez, c'est le Djemma. On a tout compris. Eh bien, c'est la première réalisation de Bujok en Kabylie en 1944, c'était une mosquée. Vous pouvez dire, vous avez des Khmer pour lutter contre le Maïs, etc. Napoléon III, c'est la même chose. Je voulais faire un détail, moi je n'ai pas vraiment connaissance, mais qui ne l'a fait, c'est Midnel, bon, il projetait de mettre l'émir, etc., l'émir Abdel Qadir. Moi personnellement, je n'ai pas de détails, mais ça ne m'étonnerait pas. C'était des historiens qui le disaient. Hein? Non, je vais te compléter. On va revenir au congrès de la Souma. On n'a jamais dit, peut-être, on ne le développe pas beaucoup, mais il y a un arme au père Manisqal. Ça aussi, c'est des textes. Pourquoi nous cachetons des textes, y compris à des accords de Vienne. Alors, dans ce congrès, au père Managui, l'Allemand qui a travaillé, il a été dans la déclaration de politique générale de la Souma, dont on n'a pas, nous prions en tant qu'Algériens, nous qui a servi, on n'a pas ces textes. On demande à l'école. Et là, on découvre que dans le point 5 de cette déclaration, l'émir Abdel Qadir a été condamné. Pourquoi il aurait été condamné? Parce qu'on lui reproche en fait le traité de la Tafna de 1937. Parce que quand il a signé ce traité, il a divisé l'Algérie en deux. Il peut amour ici, il peut amour en France. On le sait quand même. On le sait. Mais on ne sait pas qu'il a été condamné par ce congrès. Donc, ce mélède de France, je dois dire, un femme chante, un abbé chante, parce que voilà. C'est le mec qui veut diviser. Il est malade, pourquoi il a divisé? Non, monsieur, il est autrement. Voilà des éléments historiques qu'il faut mettre sur des balances, et objectivement parlant. On peut dire à la fille, on a regardé, voilà, en 37 déjà, ils l'aident. Donc attention, il y a des éléments comme ça qui prouvent que bon, la France a essayé, elle continue. C'est-à-dire réhabilité. Non seulement réhabilité, mais y compris une guerre qui est le roi, y compris la guerre, le coup d'adhérer par l'accord français, tu vois, le président de la République algérienne. C'était valable pour tous les présidents. Pour qu'on le sache, c'est qu'il ne faut plus de tabous. France, vous faites à la Corinne jusqu'au dernier game, voilà, mais ça date du président de la République. Voilà, donc on se verra la France. Hein. C'est avec des moyens aussi bien politiques, économiques, qu'autre chose. Donc on se verra là. Elle continuera, elle continue de veiller. Mais c'est vrai, j'ai rêvé un cri de neuf. Et c'est là où on va dire aussi. Sauf Taras, oui. Des Romains qui ont imposé la langue arabe. Donc voilà les ulama Nizgli, Ibn Badis. C'est ça qu'Ibn Badis. La mazir. Hein. Mais en 1936, avec l'avènement du Front National, du Front Populaire, la Ligue française, il a constitué une délégation des ulama. Rohamed à la présidence du Conseil Émirique d'Andaï, je ne sais plus si c'est côté là-bas, mais je suis Rohamed al-Oui, il y a quand même français en 1936. L'ANES, voilà, Darana, je connais dit, oui, l'ANES, nous l'aurons dit, nous avons la nationalité française et les Algériens. Ça, c'est de la bouche d'Ibn Badis. Et j'ai entendu, il faut que l'ANES d'ailleurs, il est d'ailleurs, il faut de le voir, il nous a la pérouienne. L'ANES, voilà, Ibn Badis. Donc, il faut arabiser les Algériens, tu confonds. Donc, rien de marche arrière, ne sera pas le travail d'arabisation, mais ne réclame pas la nationalité.
Donc, à partir d'un exemple comme ça, les accords d'Évian, il y a des accords qu'on ne connaît pas en tant qu'Algérien libre et indépendant. Elle a ségué. Il y a un slogan à ségué, Mad Fanlachi, qui disait Djmaniad, depuis Achara, Achara, Djmouat, Al-Tsfran. À Macron, un death le gaz. Ou là, chez le gaz, et Macron, c'est télécytique. Ça vient d'où, ça? Finalement, il y a des gens qui disent que Français, le gaz va et c'est conformément aux accords d'Évian. Jusqu'en 1946. Et les accords d'Évian, finalement, il y a des accords non publiables, il y a des clauses non publiables. Ils ont fait des souffrances à l'insoir, ils ont souffert. Mais il a pas nous voilà, jusqu'au décret non publiable. Mais si elle reste conseiller à la présidence de la République, ça existe, le décret non publiable. Ça, c'est des raisons d'État, peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça nous a fait très, très mal. Alors, là, le troisième intervenant, un peu l'influence de l'Égypte sur le Mahda d'Orient, etc. Alors, c'est-à-dire, nous connaissons souvent le Chouré d'Orne, qui est très bien. Et nous avons un bel manrant. Nous avons un bel manrant, où nous parce que la démocratie, la tolérance, la parité homme-femme, c'est consubstantiel du cabinet. C'est tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Et après, il y a un Ségachoré, parce qu'il est à l'antipode de leur projet. Nous connaissons un Mais vraiment, cette influence de l'Nahda, on les gêne, y compris dans nos fondements. Ce n'est pas parce qu'on est plus beau, parce qu'on a des structures qui ne le permettent pas. Il n'a pas de ça, que les structures ancestrales doivent être de l'ordre. Y compris en Mien, par exemple, le marché de la terre à Sminbron. Pour leur projet de colonisation. Il a passé un marché de la terre. Il fallait qu'il le libère, c'est-à-dire créer la propriété privée qui n'existait pas en là. C'est la famille indivise. Donc, au fond, des structures qui les gênaient. Ils ont essayé de les casser, mais ils ne sont jamais arrivés. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis sûr que Sam Kharabokhel Ksmurth, mais elle Shfa'a, c'est important. Shfa'a ici, la famille, la force de la famille. Shfa'a ici, on est d'accord? On dit vraiment des zinzigmas, et des chevaux. Vraiment, aux Émirats en tant que frère, on va à l'Amir. Et c'est comme ça que la terre est préservée. Et c'est une des façons de se prémunir, de se préserver, qui n'existe pas beaucoup ailleurs. Pour ne pas dire qu'il n'existe pas du tout. Donc ces spécificités, c'est grave. Et en remontant à l'Amadou Mazir, parce qu'ils existaient aussi du temps Maziran, y compris la Anéa et autre chose, ce sont des valeurs qui font de nous une exception, mais qui gèrent beaucoup de projets qui ne portent pas les mêmes valeurs que nous. Voilà. Je pense que j'ai répondu un peu. On va prendre encore une dernière question. Oui, si vous voulez. Juste une petite question un peu très simple, enfin, et très rapide. Azul.
Azoula Younes, Azoula pour le Maraf Lawan, Tanmirti et Ouga Dussan, Tanmirti Ouga Dakhshin, après la conférence à Guin. Mais qu'il y a Younes, c'est qu'il y a des musées du Rwanda à Fumsali. Voilà, dans quelques passages, il a créé un franc. Donc, j'ai préparé la question tout à l'heure. Donc, sur le financement et création d'un franc à Telemsen, franc Arami. Msal al-Hajj. Et quand il y a un franc à Kné de Telemsen, l'armée, un français, c'est le bas, c'est le bas, c'est le bas, c'est le franc. C'est un franc, c'est un franc libéral à sa façon. Et il y a un franc à Knadiaz, les deux associations, enfin, les deux structures, l'OFLN, l'organisation secrète, et le FLN, Front de Libération. Et qu'il y a ici de, en 54, non, 55, je ne sais pas exactement, mais il a fait un cahier de l'enseignement en FLS. Et ils se sont, d'ailleurs, ils ont créé 500 soldats, avec un capitaine, avec des lieutenants, avec toute une structure militaire. Est-ce que la diaspora française à l'époque, le mouvement aigu, en plus que ça, il quête sur deux fronts. Il quête, vous quête de l'UFLN, l'OCFLN, il quête, vous quête de l'UFLN contre les années, ses côtés missali. C'est-à-dire, est-ce que la France va gagner l'Oxenni ou c'est la rame de faire de M. Tagin? Merci. Et ça, merci. Merci. Oui, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord en Académie, et il y a beaucoup de choses que je considère qui ne sont pas exactes ou pour lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. D'abord, sur le point de 49, l'Octave, c'est la fin de crise de 49, mais. Tout de 49, mais sur 49, il n'y a même pas 10% de votre intervention qui concerne exactement cela, à mon avis. Deuxièmement, je considère que c'est un réquisitoire sur mes salis, sur des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Il faut donner des... Quand on dit qu'elles ne sont pas exactes, par exemple, il faut donner par exemple, ce qui est exact, sinon ça reste... Par exemple, vous critiquez les oulémas, je suis d'accord. Mais le plus grand ennemi des oulémas en Algérie, ça a été Messali. Ah bon? Oui, au congrès, vous avez cité le congrès de 36. Ouais. C'est Messali qui a jeté un pavé dans la mare pour parler de l'indépendance de l'Algérie, alors que tous les autres, ils étaient pour l'assimilation. Donc, j'ai parlé du congrès de 47, février 47. Non, vous avez parlé du Front Populaire, et donc il y a eu le congrès musulman d'Alger. D'accord. Au congrès musulman d'Alger, Messali n'était pas invité, il s'est imposé. Pour parler de l'indépendance de l'Algérie. Parce qu'il faut quand même... c'est pas parce que Salim n'a pas été avec le FLN pendant la guerre de libération qu'on va faire son procès depuis qu'il existe. Ce n'est pas vrai, ça. La deuxième chose, le discours à Guitre-Bob, à Salim Machour, c'est exactement le discours du FLN. C'est sa justification pour pouvoir dire pourquoi il s'est séparé, etc. La deuxième chose, je ne pense pas, et il n'y a aucun écrit qui dit... que Messali a créé le MNA contre le FLN. Parce qu'au congrès... Il l'aurait créé contre qui ? Il était prévu, en au congrès d'Ornou, de créer une... de lancer la guerre de libération. Oui. Avant Boudiaf, avant tous les autres. Oui. Donc, c'était dans la continuation. On peut dire que ça, le 1er novembre, ils l'ont pris de court. Pas du tout. Parce qu'ils étaient, si, ils l'ont pris de court, puisque c'était prévu en août qu'il y ait la guerre de libération. Oui, aux élections dont on a sorti le trucage des Jelen. Ça n'a rien à voir, c'est en 47, ah bon, ça. C'est la suite d'or. Non, c'est-à-dire, la deuxième chose. Il faut être objectif. La deuxième chose, c'est que vous parlez de tout ça. C'est vrai, c'est vrai, je n'ai pas de soucis. Mais après, il n'y a pas de soucis. Mais je suis prêt à reconnaître s'il y a des insuffisances, mais il faut les prouver. Mais tiens, 10%, c'est un réquisitoire. Moi, je ne suis pas venu faire le réquisitoire de M. Salihaj ni de personne.
Mais c'est l'histoire. Je vous dis ce que j'ai pas appelé. Elle a arrêté 10%, il a qu'à être comme là, je l'ai fait. Mais sinon, et ça reste une phrase creuse. Par exemple, quand je vois ce que dit un acteur de 45 à 49. C'est lequel? Monsieur Ali Hia Rachid. Oui. Lui, quand il parle de Ouagadougou, par exemple, citer Aït Hamed. Oui. Pour moi, Aït Hamed n'est pas crédible du point de vue de la crise de 49. D'accord. Parce qu'il n'a rien à voir avec ça et il était contre. D'accord. Il était contre les berbéristes. D'accord. Et Ali Hia le dit. En tout cas, je répète ce qu'il dit. Ouagadougou, ils étaient pareils. Oui. Ils étaient pareils. Le Oudoum Sidi Adara, par exemple, que ce qu'on appelait les berbéristes, c'est-à-dire les éléments radicaux de la Kabylie, moi je les appelle beaucoup plus des algérianistes, non, des radicaux, etc. Ils ont pris la tête de la Fédération de France du PPA-MTLD. Et qu'il a fallu trois Kabyles pour les déloger de ça. Et que si c'est une note de Bani Farhati Nimran, Krim Al-Qasmi Tinran, c'est ce qu'il m'a dit Tinran de l'Arva. Ben Neywali, Ould Hamouda, Winat Barakat Mangilat. C'est Karim Belkacem qui a donné l'ordre. Et à Ben Ordan aussi. Donc, quand on entend, c'est comme si les Kouveïs, ils ont été toujours des victimes. Non, ils ont été des bourreaux de leurs propres frères. Pour la plupart. Jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, j'ai des questionnements à deux reprises au cours de mon intervention. Il faut l'affirmer, c'est des affirmations. Je l'ai dit, vous faites bien de reprendre parce qu'il y a de smectivé de débat. Quand je dis des questionnements, c'est par rapport un peu à tout ça. Je n'ai pas dit que la Pavélon Rhin a l'air. Là, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. La deuxième chose. Quand on ouvre ce débat, je suis d'accord avec vous. Par exemple, la deuxième chose. On va l'ouvrir et on va le continuer. Il faut quand même rendre hommage à certains messages, pas tous. Je ne dis pas Belloni, Soulaoua. Mais Oganilan de la Kabylie, ceux qui étaient dans le Djurdjura, ils sont morts les armes à la main contre les Français. Et de Tarbatna, Miroche et compagnie, qui les ont pourchassés jusqu'à les chasser de Kabylie. Alors qu'ils quittent contre les Romains. Ou de Kiernerem directement contre le FLN. Le FLN, il les a pourchassés. Et il faut reconnaître le FLN. Il n'y a pas un FLN idéal, etc. Et puis un FLN qui n'est plus idéal. Non, c'est le même. Les gens comme Boudiaf, etc., c'était des anti-berbéristes à 100%. C'est le Bougadmi, l'un de Khalmi. C'est le garantie de Rabbi de la Kabylie. Voilà. Non, c'est dommage que vous soyez un peu bruyant, excusez-moi l'expression. Je ne suis pas ici pour polémiquer. C'est pas moi qui fais la conférence, monsieur. Moi, je dis. Non, là, c'est qu'il sera à la même, pas. Il n'a pas un micro. C'est sûr que c'est bruyant, mais je n'ai pas. Non, moi, j'ai envie qu'on s'entende sur certaines choses. Un but fait, voilà, un but fait, moi, il dire. Un des vrais dénigres de Néral, il n'a pas dénigre de choses de Néral. Sinon, là, ça va être un dialogue de source, qui dit, je refuse, mais dénigre de Khadmoud de plaider pour mes salihats. Moi, je ne l'ai pas fait. Franchement, je ne suis pas venu faire le réquisitoire. Mais plaider, c'est un micro, il n'a pas de choses de mes salihats. J'ai dit, ne le faire pas. Non, mais. On est en débat, moi j'aimerais bien, peut-être c'est mes insuffisances. Mais prenez le micro, dites, je suis Khadim al-Khair. Nirdem Salihaj, en résumé, c'est celui qui a retardé l'action armée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais l'histoire a tranché. Il a retardé, vous faites référence au congrès d'Ornu, il n'a rien à voir avec tout ça, je suis désolé. L'os. Le premier à faire des délations par rapport aux éléments de l'os qui ont eu le dessus sur lui, c'est-à-dire qui ne comptait plus sur sa légalité, il a participé aux élections, il s'est fait lessiver, il a eu 15%. On est d'accord? Après, c'est Gelin qui a truqué, etc. Non, attendez là. Donc ce que je voulais dire, Kine. M. Salihaj a retardé l'action armée. M. Salihaj a dit qu'il y a un mérite de l'Ulala. Mais des jeunes comme Aït Hamed, qu'on le veuille ou pas, comme les autres, ce sont eux qui ont vraiment freiné cet élan de M. Salih et qui sont passés à l'action armée.
Mais c'est la réaction malheureuse de M. Lihaj. Elle est malheureuse. Il n'a pas pris les armes contre la France coloniale. Il a pris les armes contre le FLN de guerre. Il a pris les armes contre le FLN de guerre. Donc là, c'était une erreur monumentale de mon propre avis. La carrière. Et tu vois, Machid, tu m'as dit que ça a l'air de se même Gueg, c'est mon frère. Et Kamala, et le résultat le plus ignoble de cette politique, c'est lequel? C'est l'ordre qu'elle a cassé les armées, parce qu'il n'y a pas qu'une armée des frontières. Rohan Gouj, dès qu'on a accueilli Rohan Gouj, 10 maillots de la Tunisie, c'est ce projet-là. C'est ce projet-là de Ben Bella qui était rattaché intrinsèquement à Messali Hajj, donc le Nahda d'Orient, le panarabisme, etc. Et nous, oui, c'est des armées des frontières. Mais les effectifs marocains, parce qu'ils ont construit avec les éléments marocains qui étaient à Oujda, il y avait les DAF, les déserteurs de l'armée française. Il y avait les Harki. Je n'ai pas développé ça. Et le jour où il y a la clé de l'air de Goudrel, et que Mouthnilaz, et que le Hani Hafi, on s'arrête les armes, on s'arrête les munitions, on s'arrête les Hudson. Eh bien, les Harki, il n'y a pas de boum d'ennemi, il n'y a pas de boum d'ennemi. Mais tout ça, c'est le résultat de la même politique. Malheureusement. Voilà ce que je voulais, ce que j'ai essayé de développer, mais nous, en aucun cas, c'est grave de Mseli Hajj Zahim, ce n'est pas possible. Général Bellounis, qu'est-ce qu'il a fait le général Bellounis? Là, attention. Il faut lui reconnaître une partie de l'histoire. Je ne lui reconnaîtrai jamais ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait, je ne peux pas le reconnaître. Non, ce qu'il a fait, l'histoire le connaît. Alors, tous les militants, depuis 1926 jusqu'à 1954, qui étaient avec lui, c'était Dekhraren, Dirdrhaïden, des abrutis. Là, avec des nerfs dépassionnants, moi, j'ai posé la question. C'est pas possible. Il a été reconnu. Et Amran Nagim Afektim Sleyer, qui était soi-disant un berbériste, qui ne l'a pas été. Tu veux dire Arrête Amran? Non, mais tu veux dire Arrête Amran. Non, ben, en 1945, il a fait un hymne à Messel, que le Messou Mazir, il l'a mis sur le même plan que Messi Messel ou Gortel Kahina. Donc vous pensez que le Messou Mazir, le Messel est Hajj 649, hein, en 1945. Non, vous pensez que le Messou Mazir, il s'adressait à Messel. Il l'a cité comme étant un Zaïm, comme un dirigeant. Il dit. Inassi Salim, Inassi Massinissam, Inassi Kahina, avec d'abord le cadre, certes. Oui, là je suis. Mais en 1949, il qu'est-ce qu'il s'est laissé la chanson. Il remisait dans 45, mais en 49, il qu'est-ce qu'il s'est laissé la chanson. Non, c'est 154. On va passer aux autres questions. D'après, il y a Malika Mouassi qui a demandé à prendre la parole. Azouf Lawel, un sophistique d'Ayounes. Merci pour l'équipe de la SFK qui a organisé cette rencontre. كوالي ولد دينير فعرا بنكي نسلم اللي بعثيين في دمت مسلال يشبه نسان كل الغارة لوان نسان ماشا avec l'histoire, avec toutes les analyses de chaque année, de chaque jour, avec tous les historiens, tous les sociologues, on a tout compris. يا نقمن قلب انظر ذاك الانوار اللي في غمدوك ديال التداويت الازهار قلان ديال تمرت المسار اما المصالي اما ابن باديس تبعثوا كل جمعيات العلماء دونك aujourd'hui je sais pas pourquoi on revient dessus puisqu'on a tout compris c'est des personnes qui ont été formées et forgées pour avoir ce qu'on a aujourd'hui en Algérie parce que c'est pas la peine de chercher à comprendre l'histoire on le vit encore اقلع الساعه ايش فيها ايش فيها الساعه روحوا تدرين
جنين رحت في جنين رحت الرياسه ما ضيف الجزائر اثنت عربت تسلفي تنسلفت كشم افود سيتين كومون دير سيتين تيمور كشم من الجزائر دروس يوم قالوا تحوزالا اما الزاويات اما الجوامع اما لي اسوسياسيون اسلاميك ديبي لا كرياسيون دي اسوسياسيون بيان سور دونك جور دوجوردي غادينير يونو هو اللي قال الشيخ محمد الحسيني مزوره اذا ناس ان غوري اذا ناس حليله يلمس نكون ياس واسا اساكيد نكون ديال المسن ذا شي قلقه في الدواوي اس كان انقين كان ديال الاناليز ديال لي كونفيرونس هذا شي لا لا تشي ضرانا انا شو خدمنا توي خدمنا توي نغال نا ان الواليد on va tracer un projet qui peut justement apporter des choses apporter de l'avenir pour la Kabylie pour la Gérée entière si on peut. Là, aujourd'hui, je propose justement un discours, un débat. Un chine zmer a tit nawi. Voilà, d'ailleurs, c'est un mef nawi. Sauf la ouen. Un sophisticat d'ailleurs, c'est un gérant. Les archives, normalement, les archives de la Kabylie a été toujours indépendante jusqu'à, si je ne me trompe pas, 1857. À Paris, donc, il a été rallié à l'Algérie et tout ça. Donc, à partir de la crise de 49, je me demande, bon, c'est pas que je remets en cause le combat Ben Ramadan Karim Belkacem pour libérer tout le pays et tout ça, et l'Algérie. À Chouar, depuis 49, ils étaient majoritaires dans le mouvement national. En plus, ce me salit. Leur a dit que vous êtes une minorité par rapport à la superficie de l'Algérie, que vous êtes une région par rapport à la superficie. Comment ça se fait Tu vois qu'il khan, comment ça se fait au défunt d'Inarakan, et pourtant, il venait se nouveler le 1049. Un truc comme ça. Comme réponse, Ikader, c'est des raisons extérieures, c'est-à-dire extérieures au Kabyle et à la Kabylie, c'est l'islam et Taraf. En plus, l'Orient est très bien organisé, donc ils nous ont eu avec ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des raisons intrinsèques à nous-mêmes, à notre psychologie? À la psychologie de nos leaders ou de nos militants. Est-ce que le Shenchtaki, Malek Laila Weinstein, Shun Zmeran Khadamasa, Akin, Mkarad, Andawiya, Andouan Dawiya, Anchtaki, Khadar Daini Rehozen, Daini Rehoron Narasa, Nsaan les idées, Nvran Khadam, Nsaan les projets. نخدم الحاجة عمية سمردنا وذا كنا نغلث أنا في فوالا تسن لي ديفيكولتي فوالا اون كابيتاليز با اي اون فونس با اي جو كوا كو لا كيستيون كي بوزي ثورا دون 2019 اين كاين رانا كاين الجزائر فوالا سالي بوزي او كابيل ثورا شي شي كلاقا نخدم نكونيس القبايل لكن لي زيد نتموت القبايل لي بروجي نتموت القبايل مقار السعنا مكنسن ديال الجزائر كي هادي سدوناكا Voilà. C'est la même préoccupation que la première intervenante. C'est vrai qu'on n'a pas. Il faut rentrer dans l'actualité, si possible. Sauf que bon, tout est bon. Oui, on peut faire les deux. Ça peut nous aider à être plus forts. C'est vrai que moi je suis de ceux qui
je ne vais pas dire qu'on est en train, on se recherche. On se recherche à ce bossin. Ça fait merde, c'est la 10e semaine, ce n'est pas la 9e, comme tout le monde veut le faire croire. C'est la 10e semaine. Voilà encore une tricherie qui a pris. Parce qu'on ne veut pas dire que c'est venu de Kharrata, tout simplement. En fait, mais on veut éliminer une fois de plus Wiggy qui ont dans le but de ne pas dire que vous êtes Kharrata. Ils savent pourquoi. Parce qu'il y a une charge historique importante. Ça rappelle 45. Et ça rappelle cette résistance qui n'a jamais cédé en cours de l'histoire. Pour son zone, de servir de ne mal à aucun de ces gestes, mais à une vanne, l'entier d'un nom au Semahna Radix. Donc c'est devenu, il faut qu'on en prenne conscience, c'est devenu un exemple. Après la France, les gilets jaunes, on les a soutenus, on les a soutenus, mais ils n'ont jamais été le meilleur exemple que ce qui se passe en ce moment là. Et vous croyez que la France est contente de ça? Franchement. Franchement. Il a dit qu'il y a une période où la crise, les gaz lacrymogènes, il y a 4 fois. Mais à Alger, il n'y a pas encore. Bon, ça a l'air de la police en ce moment. Ça a l'air de ça vous l'arracher, c'est les gaz, c'est les jets d'onines, etc. Mais il y a cette force qui est immuable. Maintenant, je suis d'accord avec donc la première intervenante, il faut passer à autre chose. Ce qu'il y a de commun, c'est qu'effectivement, nous allons dans la crise identitaire. Ah, il y a bien. Moi, je l'ai dit dès le départ. Allah m'a gagné 20 millions d'euros au départ. خطر ونورنا لا ثانوم نون ثانوم بتصور في القبائل كان مور في القبائل هذا هذا مي مزل نقل زيرا تروح هذا مسفام الفارو تمر في القبائل سيت فاسي سيت اون دون كي لو ريشاب اثا مور في القبائل ماشي وحدس دونك سا لو ريشاب ودو فينا لا غاميش تعرض بلاك انا تيدار كان مور في القبائل مي ارثورا وبورنا لا دونك كون جو ديك سيت ان بروبليم ايدونتيتير طوطا مثلا نزار شغلنا الجماعة قد يفدون ما جو فوز اسيور كو جو سوي كونفينكو كان العرض ما تيدر نورنا دونك اون سورا اون فوا دو بلوس او ميليو دو لا بريوكوباسيون اي سو كون ا دي ديل ديبار ماشي دا 20 مليون اللي غيو كازون سي درابو فيدرالي امازيغ ديل ديبار كان كيف ولا يتفاضى افيك لومبليم الجيريان. Et ça veut dire que les Algériens ne sont pas gênés par ce drapeau amazigh. Donc, non seulement la Kabylie, on ne l'a pas isolée, mais les Algériens prennent l'emblème amazigh. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Et plus grave que ça. Esmer va en l'écart à Fksin, khatra ardhan à Fksin kthazwarani. Esmer ardhan à Fksin, esmer hitzfad, c'est le khatra. Et ils ont vu qu'il y a une perspective. لكن كنا ما نوال أرث مزا أثنا نوال كان أرث الوعث مولاني دنو درس قلدنا نوثون سر مروك لا ليبي وغالي ذران بروك فرنسا مرتف نحشى لا كومينوتي أوروبيانا لا يلي يكمبري سير بلان فيرمون ايكونوميك إن كنا ما سي اون برون كونسيونس دو تو سا نون سولمون سير بلان بوليتيك اون فاس ليبيري مي توت سويت وي pays de Mazra, on peut construire une économie commune. Donc c'est une force. C'est une force en face de ce qui se passe. Mais tu as l'Américain et tu as la communauté économique européenne. Mais tu as le Russe, on a le problème dans le Jadna.
Donc tout ça pour dire que ce drapeau fédéral est porteur de beaucoup d'espoir et de perspectives. C'est très important. Non, il faut qu'on en prenne conscience. Donc pour revenir à la préoccupation de Mzouarouf, il faut travailler en urgence par rapport à tout ça. Entre moi, c'est pas l'académie d'Ouihia. L'académie d'Ouihia, nous allons des choses de l'école. Donc on n'en veut plus de cette tricherie. Il y a des compétences encore valables. Et d'abord, on dit que la licence est indiente à l'académie. Donc, nous avons lancé de la triche et pour votre information, Farhaz Green est mis à la justice. Mohamed Rassallah, il a fait beaucoup de mal à ce pays avec ce clan de Bouddha. Il a fait beaucoup de mal, Ouihia. Vous l'avez Khalas. On a des milliards, des milliers de milliards, c'est des milliers de milliards. Nous connaissons que ça en tant que salarié, que ça arrive à l'église. C'est la crise. Quand on a des gens qui disent, il y a une justice. Il y a une justice. Mais nous connaissons la carence. Oui, c'est celui qui ne voulait pas qu'on entende parler de sa mazir. Mais nous devons dire, dans le khair, on a fait des choses. Et dans le khair, on a des gens à dire. Mais avec quel contenu? Mais quels sont les objectifs? Quels sont les projets? Donc il faut qu'on fasse très attention, effectivement. Et là, quand ce bossé, il y a un souci d'Iremène de l'air, c'est pour ça que je suis faire la là, parce que je voulais qu'on arrive justement à ce débat. À partir de l'étoile nord-africaine, le PPA, la guerre de libération et l'indépendance qui nous fait mal à la chouette. Moi, je l'avoue. Je ne connais pas que l'air, je ne connais pas que l'air, je ne connais pas que l'air. Je ne connais pas que l'islam, le Ktaharab, mais il y a d'autres raisons, certainement. Donc, moi, je suis encore, et je n'ai pas peur de le dire, dans ce questionnement. Attends, mais nous faisons ce bœuf. Dans ce nouvel ordre national qui se profile. Mais ce nouvel ordre national n'est pas seul. Il va être face à un nouvel ordre mondial. Ça, on en parle très peu. Notre France pour l'armée, il y a la Russie. La Russie a réussi à remettre les équilibres. On n'a pas le Winnes. L'Américain Arzan, le bloc soviétique, a de nous un syndicat. Les gendarmes du monde, non, Poutine est refide. Attention, dans une guerre froide, il faut négocier pour. Et l'Algérie est au centre. Datarus, c'est une malédiction. C'est une malédiction, et Maziran, il a trop de ressources. Le pétrole, le gaz, etc. Donc, on est victime de ces richesses. Bon, c'est une façon de présenter. Mais en fait, on est au centre d'intérêts colossaux. Donc, c'est là qu'il faut réfléchir. Parce que, mais il faut qu'on devienne des partenaires. Et ça, oui, mon inquiète, oui. Oui, non. Donc, on n'a pas eu le temps de développer à partir de DAF, à partir des effectifs marocains et des Harki, on a abouti à un résultat catastrophique, c'est le déficit patriotique. On n'aime plus ce pays. Ce déficit est chronique en ce moment. Et heureusement, on entend dernier des slogans, parce que la rue, c'est du génie aussi. Et moi, je suis de ceux qui disent que cette rue qui descend, elle est en avance sur ces gouvernements. Elle est trop en avance. Et quand on te dit,
c'est très lourd de sens. On ne deviendra plus haraga. Ça, c'est des lueurs d'espoir. Mais une rue, ça s'organise, c'est pour se donner. Et là, quand on a dit, mais c'est une nécessité. Deuxième étape, comment? C'est la transition. Vers quoi? Comment gérer la transition? Salah, il a prévu une réunion pour lundi. Youssef Djivi, c'est souvent d'une liste de personnalités, de Rochflen, mais de quel droit? Il a quand même. Donc il y a un décalage énorme. Et j'espère qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout de leur dessein criminel. Parce que Tamourth Maxine est roi, il a quand même. Il y a des gens qui sont pour revenir à Ouihia. Je ne sais pas, mais tu vas entendre là, ça a été. Ça a été diffusé, ça c'est le Kabyle, une fois de plus, il était en train de chimer, en tchèque, en boire, en calme, en roux. Ça c'est, voilà, voilà, c'est bon. T'as voilà, pour 57, le deuxième intervalle, on est, bon, à partir de 49, comment on s'est à tromper tout le monde, bon, je pense qu'on a, on a répondu un peu, bon, voilà. C'est vrai que la Kabylie était indépendante en 57. Mais il n'y avait pas que la Kabylie qui était indépendante, c'était la configuration de tout cet espace qui est né d'un démembrement de Saint-Mazir, qui plus tard s'est appelé Algérie. Comme il y a eu le Maroc, la Tunisie, etc. Mais ce qu'il y a d'important à souligner par rapport à cette histoire de 1857, c'est que par rapport aux autres régions Mbad et d'Irnen, on a nos spécificités. Et d'une la démocratie kabyle, oui, elle existe. Est-ce qu'elle est pratiquée autrement dans les autres régions, elle existe autrement? Non. Où les chutes? Nous, les Soudanais marocains, c'est-à-dire quand on prend la configuration ancienne, hein, des Néo du Grec, même nous, nous sommes fait la démocratie maghrébine, on était au même moment, et dans les autres régions où l'est. Une autre trichidie, c'est les événements de 2001, que l'on a arraché. L'on a arraché des soubons, on est la rouge, l'antimérimir, voilà le principe, le vice. Le vice d'engagé, mais la rouche. Mais non, ça a la rouche. Ça a la rouche. Mais je vois souvent la rouche, parce que dans les autres régions d'Algérie, effectivement, il y a la rouche. Et la rouche, c'est complètement différent. Autant la rouche, c'est une démocratie, autant la rouche, c'est autre chose. Mais ce que je viens de dire, ce qu'on a dit l'une dernière, c'est tout le temps ces attaques, liées à la Kabylie qui a préservé. Et il ne faut plus qu'elle préserve. Donc voilà un peu le. Je vais essayer de répondre à Malika. Donc sur la question de la proportionnalité des 12 000 militants, pourquoi on se fait toujours avoir, même si on est les promoteurs d'un projet ou bien on est les majoritaires. Moi je pense. Tu as utilisé le mot, je pense, dans lequel on peut trouver la réponse, la psychologie. Il faut chercher dans la psychologie de l'humain. Il y a deux choses, à mon avis, à mon sens. Il y a, on peut dire, l'exemple type de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, c'est-à-dire qu'on voit plus gros que ce qu'on peut. Il y a le deuxième, ça c'est malheureusement une tape que les humains, il n'y a pas que les cabines, il y a des machines. Le deuxième, c'est on voit plus dans ce qui ne nous appartient pas que on regarde ce qui est chez l'autre que ce qu'on a nous. On voit toute cette Algérie immense. Et we are, on a le gros ventre. On n'a jamais pensé, et jusqu'à maintenant, l'immense majorité des cabines ne sont pas conscients que nous avons 25 000 km au minimum, kilomètres carrés de terrain. C'est exactement la même superficie que la Tunisie. On a
plus de 10 millions d'habitants. On a une surface au niveau de la mer, une côte qui est facilement à exploiter, c'est-à-dire qu'il peut faire vivre tout le monde. On a des minerais, on a des montagnes, on a tout pour réussir. Amen. Pardon ? Voilà. On n'a pas pris conscience. C'est l'immense majorité des Kabyles qui n'ont pas pris conscience. Il y a certains qui ont pris conscience de ça, que nous sommes un peuple, nous pouvons former un État, nous pouvons vivre que de nous-mêmes. Mais simplement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça c'est le constat, enfin, l'immense majorité des Kabyles n'ont pas pris conscience de ceci. Et c'est le travail que nous devons faire, d'expliquer que nous pouvons vivre. Il y a 60% des pays au monde qui ont la même superficie de terrain et qui ont le même moins au niveau du nombre d'habitants. Voilà, je pense que c'est le côté psychologique. Donc, c'est quelque chose que nous devons travailler, que nous devons faire au niveau des associations, l'explication, que d'apporter à tous les Kabyles que tout est possible. Voilà. Mais la plupart de... Il y a beaucoup de Kabyles qui disent, comme moi, si on devient indépendant, Kabylie, on n'aura rien à manger. On va vivre dans les montagnes. Un manzon. On ne peut pas leur laisser toutes les richesses venir. La guerre d'Amour. Il y a Yonis qui veut prendre. On va prendre la dernière question. La dernière question. C'est le plus grand problème, c'est la base. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que c'est le plus grand problème. Il m'a dit que Donc, خطر كيني عدا غطا من تدات انت جماعه تدا لنا غير غادي نشطو فهم كان بابا بجوي 20 ans اجا مال ما صافي لا وسمحت لي يعني باسكو كي هضر غادي كيشطو حنا شتو سي تاع سير ميرسي كنت كيني عمد لي تهضر فوي حيا باسكو سيز قلي كان لي رابورتون بلي نو ولا سي لي كونفوكي بار لا جوستيس سي فري سكي فين جو سمحي كان تراك سمحي دونك سي تاع ريفلكس فريمون سبونتاني Mais, est-ce que c'est le bout de Frère, même Saïd, même Nenel, même Nassar, on ne sait même pas où ils sont. Mais attends, même Dessin Tcharzen, parce que c'est Kabyle, Mouyahia, Mouhdad, Mouyer, Mazel, où il a dit, où il a la justice. C'était leur fusible. Enfin, je suis de nerf, quand on a le couvert tout là, de Noël à l'Oustie, Guinna. Ailleurs, on a le couvert à Noël. Les fusibles, au lieu de donner à d'autres télécités, ça c'est une question tout à fait logique. Je ne vais pas aller. Attends, je peux dire. Non. Nerdzglin, le bout de la 49 Seguir, mais c'est intrinsèquement lié. Nerd hasard ou autre chose. Les deux événements à Cannes. Il faut le savoir.
Je vais répondre, mais c'est tout à fait personnel. Hein. C'est une réponse personnelle. Donc, ils sont victimes de leur avance. Pays libérés, c'est l'Algérie, etc. De temps en temps, une autre région va poser, va revendiquer, mais globalement, statistiquement, le pouvoir central. Ça, personne ne peut venir nous dire que non, le club, non. Pourquoi je dis qu'on est victime de ce poisson? Après, il se trouve que Abridek est sous le Zaïre. Ça aussi, il faut le reconnaître. On arrive à des records mondiaux. 20 millions, 25 millions de manifestants. C'est des records à l'échelle planétaire. Attention, il faut qu'on en prenne conscience. Mais nous connaissons rien. Sur le dernier, on est victime. Parce que ce que je disais comme qualité consubstantielle du Kabyle, c'est-à-dire on a avancé. Quand je dis qu'on a avancé, sur le plan politique, ça veut dire de l'autonomie. S'il y a l'autonomie, c'est en tant à l'indépendance. Et entre les deux, là, juste après les deux, il y a les autonomies régionales. Malheureusement, non, heureusement, on ne sait pas. Ça aurait été plus facile quand vous aviez développé les mêmes théories ailleurs. Donc, le statut de victime est un peu. C'est l'indépendance, et qu'est-ce qu'il y a là? Oui, c'est normal, parce qu'il y a un débat, il y a un autonomie. Mais il serait, à mon avis, ça n'engage que moi. Pour moi, la solution urgente et immédiate, c'est un État fédéral. L'État fédéral, un ministre, c'est le cas où. Mais c'est une façon de sauver quelque chose. C'est une impossibilité pour moi. Donc cet État fédéral est une chance pour nous. D'abord de ne pas connaître le chaos, parce que le chaos est un chaos. Non, s'il y a le chaos, il leur dit, pas qu'on se leurre. Et en même temps, on a de nous le statut de victime. Non, c'est une façon. La Kabylie est gagnée dans l'État fédéral, dans un pays fédéral. Quand on aura un parlement qui a défendu l'indépendance, il met son drapeau. L'autonomie, il viendra défendre son autonomie. Et oui, ils disent nous le faire, l'autonomie des régions viendra les défendre. Mais la Kabylie va gagner son gouvernement. Elle va gagner son parlement. Ma question. Non, qu'il n'a pas qu'il s'est là. Donc, on va se préserver éventuellement, tout dépend. Mais au moins, dans cette formule fédérale, ce pays va être sauvé. Il va être sauvé. D'ailleurs, ce ne sera plus Bouteflika, son successeur, qui va nous dicter. Mais ce sont ces bases qui vont, d'où vont émaner les représentants. D'où va être formé l'État qui ne sera pas répressif mais régulateur. Donc, un infime,
on va développer. Les autres 6 ans du retard, c'est pour ça que la recasse sont foulée à cause de la recarouille. Mettez bien une quête. Ben, fais ça, Gourouche. Mais ces ressources naturelles appartiennent à tous les Algériens. Mais de neuf, de chère, il est au mort, non, vous voyez. Et oui, d'accord, il fait de la rachou, il donc c'est une façon de. Et pour moi, ça n'engage que moi. C'est la solution urgente en ce moment. Ils ont le seul objectif, c'est de nous mener au chaos. Au lâche, c'est un autre but. Donc voilà un peu, bon, c'est le harara un peu ma réponse. Normalement, on doit arrêter. Voilà, la dernière question, c'est d'être bref pour qu'on vende un peu de. Quand je vais revenir par une autre question, mais d'abord je vais vous donner moi aussi mon avis. L'histoire est cruelle. Un peuple qui ne s'en rappelle pas est condamné de la revivre. S'il n'a pas disparu, parce qu'il a disparu, il ne va plus la revivre. S'il n'a pas disparu, il va la revivre. Nous avons une mise là, France, donc depuis 1857 jusqu'à nos jours, même après donc, les indépendances. La Kabylie en tout cas, en général, à chaque fois qu'elle a abdiqué, la source de son abdication, c'est le Kabylie. On l'a vu dans les années 70, de 1870 je veux dire, dans les années 70, dans les années 20, dans les années 30, les années 40, c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. On l'a vu pendant la Révolution, on l'a vu après l'indépendance, donc après la Révolution, on l'a vu tout le long de l'indépendance de l'Algérie et on le voit aujourd'hui. Et à chaque fois que la Kabylie se lève, quand il y a quelqu'un pour la faire tomber, les pouvoirs successifs, les systèmes, que ce soit la France, que ce soit l'Unicef de l'époque, que ce soit les jours de la révolution du FLN, que ce soit l'arrache qu'on a utilisé, ça a toujours été les Kabylie. Et le problème, la Kabylie. C'est vrai, c'est des gens qui sont instrumentalisés. Il y en a qui répondent à des intérêts mercantiles, donc ils sont là, ils travaillent. Aujourd'hui, est-ce que il peut. Parce qu'en fait, maintenant, on parle du fédéralisme. La Kabylie, parce qu'il n'y a que la Kabylie qui parle du fédéralisme. Il n'y a pas une autre région, l'Algérie, qui parle du fédéralisme. En Kabylie, comme toute l'histoire de la Kabylie, le peuple, il parle lui-même laïque. Il fresque, même si maintenant, on arrive quand même à subir les conséquences de l'éducation, de l'islamisation au sein des Congo. La Kabylie, aujourd'hui, même des conférenciers, même arabophones, quand ils veulent dire quelque chose sur la démocratie, ils viennent le dire en Kabylie devant un peuple qui est déjà acquis. Ils n'ont pas le courage d'aller le dire ailleurs. Les Kabyles, ils se chamaillent entre eux en Kabylie. La démocratie, elle est en Kabylie. Ces Kabyles, ils font dans l'invitif, mais que en Kabylie. Comment demander du fédéralisme au reste de l'Algérie ou à un gouvernement qui n'est pas prêt de le donner. Moi, j'ai entendu des gens demander une constituante. Est-ce que les 4 députés, les 7 députés, les 18 jours, peuvent imposer ou peuvent changer l'article 2 de la Constitution? Est-ce qu'ils peuvent dire aux Algériens, nous, on ne veut pas que l'islam soit la religion de l'État? Et moi, je parle de tout ça, je mets tout ça en rapport avec 49, avec 47, bien sûr, et ce qui a suivi. Est-ce que on peut reconnaître à la Kabylie un chemin
un destin qui est différent de celui de l'Algérie. Et c'était ça la question. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, il y a une situation exceptionnelle. وين على دينين بالطفاية كين خراطة على بيذا الساقية انت نتظروا الشابو يولو ريح صارا على ميد غليل صاري فو با كون سوار لافاس وين على دينين حصير انا سالك تحصير فكا اسفا مغيد السيتواسيون اكسبسيونيل il faut des réflexes exceptionnels. Quand je dis qu'il a d'insister le gouvernement là, le parlement là, c'est clair. La question frotte des yagibouy galena, puisqu'on se dit on a vu une double, parce qu'on nous a pas donné de cadre aussi depuis 62. Et je m'ouvre à nique une nomme d'un ferro, snafen, transanten. Donc maintenant c'est un cadre qu'on se recrée. Il se trouve que dans le secteur du fédéralisme, c'est les puissances échevines américaines, échevines l'Allemagne, échevines Timor et Yosan Erzès. Donc, elle doit mener la fidèle. Donc, le Chili est là, ou Timor Tagir. Que va-t-il américain, Timor Tagir? Que c'est de Khala là? Rien, il est là, sur la loi, il n'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est une étape qu'il ne faut pas griller. C'est une étape qu'il ne faut pas griller. On a grillé des étapes à Tenskhaller, ça qu'on est aujourd'hui. On a grillé des étapes à Tenskhaller, on est dans des impasses. Il ne faut jamais jeter la pierre sur quiconque. Mais Marek Divkoum Zerouille, ça souhaite Garet Kselisserinek, il ne faut pas cracher dessus. C'est mon avis. On m'a une écoute de l'air, je suis d'accord avec. Mais le mec a fait du cœur, tout le monde a tourné dans le Gilzaïr. Moi, c'est des. Quand il y a des milliers de Gilmouzines avec des balles explosives, il y a une idée d'entre eux. C'est un terrain, mais c'est des Dargalen. Mais c'est Louis Vistoun. Mais c'est Louis Vistoun quand même. Et Boissegui, par exemple, tu allumes le drapeau palestinien. Et il faut qu'on nous rende des comptes. Les choses de la peau palestinienne. Je dis que je suis la Palestine, on est entre Algériens, qu'on est à aide. Je dis que je suis. Ça, c'est des problèmes, c'est des vigilances. Voilà, mais chacun a ce qu'on a dit, qu'on nous a dit, la Palestine garde nos couleurs. Eh bien, non, ça adhère à la Palestine. Mais saisissons-nous de ce cadre. Pour une fois que l'histoire nous donne un cadre. هاتش نفرو تخاف النار دايا دويا ارض الشيطوح كشمد وين نسلحو كنا على ذينا نسوسن ذينا لا نسلحو فلاق لانديبوندونس كيما الفلاتان فاضوا كي ذا فريل ولي فانا لي وخرى لي وخر مي لا قاتش نفرو تنفرالا كتب خرويا كتفرا واضنا وتفرالا Et ne ratons pas ce tournant exceptionnel dans l'histoire. Ne le ratons pas. Ben Salah a dit ça de toute façon, mais qu'il n'y a pas de Bouteflika. Et dans ce cas-là, il y aura ce qu'on dort ici de Boulazir. Donc ne ratons pas. Imaginez que les Ouïghours auront des entraves dans ce processus exceptionnel dans l'histoire. Exceptionnel, voilà. Merci à Tanbefi Kounouitouti. C'était vraiment un moment très agréable, très instructif pour donc, le rappel de cette histoire. Donc il y a un petit buffet, une collation qui est prête. Par contre, avant d'y accéder, il faut ramasser des chaises. Que chacun puisse mettre deux, trois chaises sur place. Il y a aussi des livres qui sont en vente. Ils sont là, donc Dayounes, il va vous dédicacer ces livres. On vous a préparé aussi, pour ceux qui le veulent, quelques fascicules de lecture sur la Trisper des Mistes. C'est des polycopes qui sont là à votre disposition. Et je vous invite aussi à une petite participation pour notre association. Merci beaucoup. Gracias.
Voilà, c'est un peu...